Esprit, Amen. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs, dans l'humanité, nous prions pour vous pour vos malades, pour vos familles, pour vos enfants, pour que vous ayez beaucoup de santé, de réussite, de protection, pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. On voit le monde est mécontent. La terre même est mécontente contre les hommes et les femmes de ce siècle. Que faire Il faut prier. Jésus alla selon son habitude au mot des oliviers pour prier. Nous devons prier. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Et dans le Notre Père, quand nous prions, nous disons délivrez-nous du mal. Le mal est cette maladie contagieuse. Nous prions que cette maladie quitte le monde, quitte la terre. Peut-être à cause de l'immoralité des hommes et des femmes, on ne sait pas. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Et j'ai compris beaucoup de choses quand je crois, quand j'ai cru. Le démon poursuit sans cesse les impieuses. Dans l'évangile Saint-Matthieu, chapitre 4, verset 1, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le monde, dans le désert, pour être tenté par le démon. Chateaubriand, il nous dit, j'ai pleuré et j'ai cru. Pleurer et prier pour que cette maladie quitte le monde. Le monde est mécontent. La terre est mécontente. Si j'avais encore la folie de croire au bonheur. Je le chercherai dans l'habitude. Comme Jésus a dit dans l'Évangile, Jésus alla selon son habitude au mot des oliviers pour prier. Il n'y a de bonheur que dans l'âme qu'il n'a pas de péché. Ce qui est honteux ne peut donner le bonheur absolument. Jean Cocteau nous dit à force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Une minute de plaisir porte nous apporter mille douleurs. Plaisir et douleur couche ensemble. Plaisir et chagrin couchent ensemble. Méfions-nous du plaisir exagéré. Napoléon dit autrement, l'homme peut tout inventer, excepté l'art d'être heureux. l'art d'être heureux. Aristote, Cicéron, Cicéron a raison de dire qui n'empêche pas le mal le favorise. Saint-Augustin a raison aussi de dire: l'erreur est humaine, pardonnée et divin. rester dans l'erreur est diabolique. Les habitudes gouvernent toute notre vie. L'habitude est seconde nature chez les êtres humains. La nature humaine est paresseuse. Elle se plaît dans les délices et recherche les délassements. Les maladies viennent de ce que le délice affaiblit le corps. Peut-être cette maladie vient, cette maladie contagieuse, à cause de l'immoralité des hommes et des femmes du XXIe siècle. Rien n'est plus favorable au démon que la vie délicieuse. Les délices produisent l'aveuglement. Le plaisir modéré, bien sûr, vient. C'est de Dieu, c'est normal. Il faut dire quelque chose. Il faut marcher. Il faut parler. Il faut avoir un peu de plaisir dans le monde. Je ne dis pas non. Les délices exagérées. Vient du démon. Le Fils de Dieu a supporté l'innomini de la croix. Alors nous aussi, de temps en temps, nous devons supporter l'insupportable. Et vous appelez heureux ceux qui se plongent dans les délices du monde? Dans les plaisirs du monde, loin de là. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean, vous aurez des tribulations de temps en temps dans le monde. C'est actuellement, il y a une tribulation, une maladie contagieuse. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Voltaire disait, le monde corrompre être corrompu. Peut-être aussi, à cause de la corruption des hommes et des femmes du XXe siècle, ça peut arriver cette maladie. C'est une idée, je lance. Publius Cyrus, écrivain latin du premier siècle avant Jésus-Christ. Il nous dit, il nous conseille, domine tes passions, ta jalousie, ta colère, ton orgueil, pour qu'elle ne te domine pas. Pardon souvent aux autres, jamais à toi. Nous devons pardonner les uns les autres. La méchanceté s'apprend sans école. Il y a beaucoup de méchanceté entre les amis, les voisins, dans le monde, au lieu de travail. La pire tyrannie est celle d'une mauvaise habitude. Effectivement, chacun de nous, nous avons de mauvais habitudes. De temps en temps, en nous, on ne porte plus la vérité. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Jésus nous dit dans le Saint Évangile :« Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. » Les hommes et les femmes du XXIe siècle Orgueilleusement, ont abandonné Dieu, ont abandonné la spiritualité, ont abandonné la prière, ont abandonné d'être pratiquant ou d'aller à l'église ou de croire en Dieu Tout-Puissant éternel. La cruauté des tyrans et la gloire des chrétiens. Même si les chrétiens sont persécutés, attaqués, calomniés, malmenés, nous sommes toujours forts par le Christ notre Seigneur. On ne n'est pas chrétien, nous ne sommes pas nés chrétiens. On le devient par l'éducation, par la simplicité. L'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme. C'est l'éducation qui fait les chrétiens. Nul n'est plus heureux que le chrétien à qui le royaume du ciel a été promis. Chrétien, qui que vous soyez, hommes et femmes, croyants ou non, qui que vous soyez, avancez, repentez-vous, faites pénitence, venez à Dieu dieu vous aime les païens d'autrefois étaient moins corrompus que les chrétiens de nos jours on dirait même les chrétiens de nos jours ont abandonné la vérité la sainteté la charité la compréhension on n'est pas né chrétien quand on croit nous avons beaucoup de force. On n'est pas né chrétien quand on craint de mourir pour la vérité. La vérité est supportable. La vérité est lente. Le mensonge est pressé. Mais le mensonge qui démolit le monde, la vérité est mon pays. La vérité doit être notre pays, votre pays, hommes et femmes. Et qui est cette vérité C'est le Christ, a dit lui-même. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ. Et le Christ est la vérité même, il a dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Shakespeare est anglais protestant, il nous dit ⁇ Aimez-vous modérément ⁇ parce que de temps en temps l'amour est aveugle, même entre l'homme et la femme. Combien pauvres sont ceux qui n'ont point de patience je répète chaque fois la patience et le temps arrange tout, tous les problèmes certainement. Pas de précipitation. Méfiez-vous de vous-même. Nous devons nous méfier de nous-mêmes. Nous devons être exemple pour les autres. Souvent, nous critiquons les autres, mais nous devons critiquer nous-mêmes d'abord. Nous devons nous montrer exemple d'abord pour que les autres nous imitent. Pour détrôner le démon, nous avons besoin de bonnes habitudes. L'habitude, c'est la deuxième nature dans les êtres humains. Voyons à l'évangile Saint-Marc, chapitre 16, verset 9. Jésus apparut à Marie-Madeleine dont il chassa cette démon Donc, selon l'évangile, selon le Christ, le démon existe. Aujourd'hui, les hommes et les femmes du XXe siècle, ils ne veulent pas croire au démon. C'est pour cela qu'ils sont souvent piégés, abandonnés à leurs caprices, à leurs bêtises, à leur jalousie, à leur incompréhension, à leur colère. Avancez, n'ayez pas peur, convertissez-vous, vous ne perdez absolument rien du tout. Le fondateur des protestants, Martin Luther, mort en 1546. Le monde est l'habitation du démon. Ce n'est pas moi qui dis. Martin Luther, fondateur des Protestants, nos amis protestants, quels qu'ils soient, nous les estimons. Le Christ disait, je voyais le démon tomber comme la foudre du ciel dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10 verset 18. Il faut un route combat pour vaincre une habitude mauvaise. Vivre, nous avons besoin d'être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose. La vie, c'est un combat. Nous devons être vainqueurs d'abord contre nous-mêmes et après contre le monde entier. Il y a un grand combat dans le ciel. Saint Michel et ses anges combattaient contre le dragon, c'est-à-dire contre le démon. On trouve ça dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Avancez! N'ayez pas peur, regrettez avant et pas après. Saint Paul nous dit, soyez forts et courageux dans le saint combat de la foi. Travaillez à gagner la vie éternelle à laquelle vous êtes appelés. La vie, c'est un rêve. La vérité est devant nous. On combat avec plus de force quand on combat contre soi-même. Souvent, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. Combattre les autres, c'est facile. Oui, Saint-Augustin a raison, à 430, il est mort. On combat avec plus de force quand on combat contre soi-même. Nous devons combattre nous-mêmes. Nous devons être exemple pour les autres, modèle pour les autres, pour modeler l'unité du monde, pour modeler l'univers entier. Nous les prêtres, nous devons être modèle pour modeler tous. Nous devons être exemple pour la société des hommes et des femmes d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Parmi tous les combats du chrétien, le plus dur sont... Ce de la chasteté. Nous devons être chastes. Si vous êtes prêtre, eh bien, si vous avez choisi la sainteté, la virginité, la chasteté, restez vierges. L'homme chaste est l'ami de Dieu. Le compagnon des anges et des archanges. L'homme accablé par une mauvaise habitude. Et comme un mort dans le tombeau, nous prions pour les vivants et pour les morts. Veillez bien sur vos mauvaises habitudes. Veillez bien, attention, sur vos mauvaises habitudes. Chacun de nous, de temps en temps, nous sommes des esclaves de nos habitudes mauvaises. Être esclave de soi, c'est pire des habitudes. Livrer à soi-même, c'est le pire des habitudes. La mauvaise habitude produit les effets suivants. 1. Elle rend l'homme prompt à faire le mal. Jésus dit dans notre Père, délivrez-nous du mal. Elle précipite dans le péché. Elle pousse au désespoir. Le désespoir, tout. Espérez, ne désespérez jamais. Dans le désespoir même, il y a l'espoir. Le désespoir est la plus grande de nos erreurs. L'erreur est humaine. Pardonnez divin. Restez dans l'erreur diabolique. Une habitude contraire à la vérité n'est qu'une vieille erreur. L'erreur est la cause de la misère des hommes. Chacun de nous, nous avons beaucoup d'erreurs. Nous devons nous corriger. Nous devons nous corriger vraiment 100%, une fois pour toutes. Comme Jésus a dit à la femme adultère, Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus dès maintenant. Bonalte, mort en 1840, les erreurs des hommes sont de la même date que leurs passions, les passions déréglées, les passions diaboliques, les passions orgueilleuses. Vous rougissez de corriger vos erreurs, n'est-ce pas, madame, monsieur, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille, et vous ne rougissez pas de rester dans l'erreur, ce qui est pourtant plus honteux. Nous devons avoir honte de notre honte. Nous devons avoir honte de notre orgueil, de notre haine, de notre jalousie, de notre incompréhension. Surtout quand nous critiquons les autres, nous devons critiquer d'abord nous-mêmes. Corriger nous-mêmes d'abord. Et un petit peu aussi corriger les autres, pourquoi pas. Celui-là seul est libre qui a vaincu l'erreur. Bien sûr, l'erreur est humaine. Pardonner divin, rester dans l'erreur, c'est diabolique et c'est satanique. Cicéron nous dit, mort en 43 avant Jésus-Christ, qui n'empêche pas le mal le favorise. Tout homme peut tomber dans l'erreur. Mais il n'y a que les imbéciles qui restent dans l'erreur. Venez, avancez. Corrigez-nous, corrigez-vous. Saint Martin, mort en 397, symbole de la charité chrétienne déjà du 4e siècle. Il a partagé ses vêtements avec quelqu'un pauvre et ce pauvre devient immédiatement chrétien. Souvent quand nous aidons les pauvres, eh bien, ils restent athées totalement, même anti-chrétiens. Il faut savoir à qui on peut aider. Nous devons aider tout le monde, bien sûr. C'est le devoir des chrétiens. Il faut s'exercer aux bonnes habitudes et les fortifier par une méditation continuelle. Dans l'Évangile, dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 42, dans les actes des apôtres, chapitre 11, verset 26, Saint-Luc parle des premiers chrétiens. Il dit, ils étaient assidus. Aux prédications des apôtres, aux réunions communes des apôtres, à la sainte messe, aux prières, puis il montre quel excellent fruit produisirent ces bonnes habitudes des chrétiens du premier siècle. Chrétiens, soyez modèles pour modeler l'univers. Chrétien, soyez adultes, chrétiens ou pas, nous devons être adultes, nous devons être modèles, nous devons être charitables, nous devons être bons et nous devons prier pour tous les malades, de près et de loin. L'habitude du péché entraîne toujours des chutes profondes. Attention, je ne vous condamne pas, mais ne pêchez plus dès maintenant. Le péché seul ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes. Ce n'est pas par le péché que les hommes sont séparés de Dieu. Quiconque commet le péché est un esclave du péché. Être esclave du péché, être esclave du mal, être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Se livrer à soi-même, c'est pire des servitudes. Il est écrit dans l'évangile, Saint Jean chapitre 8, verset 34. Quiconque commet le péché est un esclave du péché, esclave de lui-même. Saint Isidore, d'origine espagnole, encyclopédiste, aujourd'hui nous fêtons sa fête. Il est mort en 636. Malheureux que je suis, me voilà enchaîné par une habitude mauvaise. Méfiez-nous de mauvaises habitudes. Ne vous laissez jamais dominer par une mauvaise habitude. Dieu n'est jamais l'auteur d'aucun mal. L'amour de Dieu et du prochain. Nous devons aimer Dieu et le prochain, quel qu'il soit, croyant ou non. L'amour de Dieu et du prochain me soulève vers le bien pour toute l'humanité. Mais l'habitude mauvaise m'enchaîne au mal, à la haine, à la jalousie, même contre nous-mêmes, contre soi-même. Contracter l'habitude du péché, c'est tomber dans un puits énorme, profond. Réveillez-vous, frères et sœurs, qui que vous soyez. Avancez, soyez quelqu'un dans l'abîme mais pas quelque chose. Il ne faut s'habituer à rien de ce qui est mondaine, mais à tout ce qui porte. À la vertu, à la bonté, à la sainteté, à la chasteté, à la vérité, à la, tout ce qui est bon, à la perfectionnement. C'est un oiseau rare, la perfection. La patience est la mère de la perfection. Avance vers la charité, d'aider les autres, de supporter les autres. De supporter même l'insupportable. Mais les autres, quand nous aidons, souvent, de temps en temps, deviennent des ennemis numéros. Si vous êtes tyrannisé par quelques habitudes mauvaises, et nous sommes souvent tyrannisés par une habitude mauvaise, souvent nous sommes ennemis de nous-mêmes, détruisez cette habitude mauvaise peu à peu. Doucement, doucement, vous allez devenir quelqu'un et vous arrachez sans difficulté cette épine qui est en vous, cette épine qui vous blesse. Je répète encore, si vous êtes tyrannisé par quelques habitudes mauvaises et diaboliques, détruisez cette habitude peu à peu, doucement, doucement, et vous arrachez sans difficulté cette épine qui est en vous. L'habitude du péché rend les pécheurs terribles. L'habitude du péché rend les pécheurs horribles. Heureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des pécheurs. Pécheurs, Jésus vous aime. Dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, Jésus dit. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion. Pécheurs, Dieu vous aime, convertissez-vous. Regrettez maintenant, regrettez avant et pas après. L'habitude parfaite, qu'est-ce que c'est L'habitude parfaite consiste dans l'absence des passions, des méchancetés, de l'orgueil, des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. Savoir écouter est un art. Président dans l'humanité, président dans le Christ, croyez-nous, vous avez bien écouté, je vous remercie grandement. Si vous avez des malades, je prie pour leur guérison. S'il y a malentendu entre vous, dans la famille, entre le mari et la femme, et les enfants et les parents, pour qu'il y ait la paix universelle, la paix de Christ chez vous, dans votre maison. Si vous avez des enfants qui sont révoltés contre vous, vous les enfants, écoutez vos parents, garçons et filles, c'est le quatrième commandement de Dieu. Le remède à l'habitude est une habitude mauvaise. Si vous êtes alcoolique, arrêtez. Si vous êtes jaloux, arrêtez d'être jaloux. Si vous êtes méchant, arrêtez d'être méchant. Si vous êtes orgueilleux, Arrêtez d'être orgueilleux. Si vous êtes vaniteux, arrêtez d'être vaniteux. Si vous êtes jaloux, arrêtez d'être jaloux et d'être humble et simple. L'habitude, c'est un animal en nous. C'est-à-dire l'habitude mauvaise, c'est un animal en nous. La bonne habitude libère notre esprit. La mauvaise habitude ravage notre vie. Vous avez bien écouté, frères et sœurs, dans l'humanité, dans le Christ, qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons, qui que vous soyez. Vous êtes des gens simples, humbles, nobles et véritables et charitables. Cette période de cette maladie contagieuse, nous prions pour tous les malades de près et de loin, pour leur guérison. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez mal entendu entre vous dans la famille, entre les voisins et vous, nous prions pour qu'il y ait la paix chez vous, entre vous et les voisins, hommes et femmes, dans la famille, entre le mari et la femme. Nous prions en même temps pour tous les médecins, pour toutes les infirmières, pour toute personne qui aide les malades, pour toute personne qui aide l'humanité. Nous, nous prions grandement pour vous tous. Humains, soyez humains, ne soyez pas inhumains. La paix soit avec vous tous, chez vous, bonheur, joie, santé, tranquillité pour vous tous. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribut nobis omnipotens, miséricos dominus. Amen. Que tous vos péchés soient pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toute maladie vous quitte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonheur et joie pour vous tous. Ici, M. Nour Charles, Clément Boniface dit Père Samuel, vous salue, vous donne la paix, la paix de Christ, la paix dans le monde, la paix chez vous. Santé pour vous tous. Amen. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire au peuple d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur gloire à Israël au peuple d'Israël amen